All rise, veuillez vous lever. Please be seated, veuillez vous asseoir. Good morning, le juge président. Rebonjour à tous. Bonjour, monsieur le témoin. Je redonne la parole à la représentante de l'accusation immédiatement pour qu'elle poursuive son interrogatoire. Madame Pack, Madame Pack, merci, monsieur le président. Rebonjour, monsieur le témoin. Monsieur le président. Now, we were just talking about the 120. Nous étions en train de parler du mortier 120 mm et vous étiez en train de parler de l'utilisation des charges pour accroître la portée de cette arme. Plutôt, vous avez parlé de l'orientation du canon. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment ce canon est orienté pour fixer une cible, pour engager une cible? Fixer une cible, il faut tenir compte de l'orientation. C'est-à-dire qu'il y a des coordonnées qui vous sont données qu'il faut afficher sur l'arme, soit en dévers ou en site. Et à partir de là, vous pouvez obtenir votre objectif. And how is the weapon adjusted to hit? Et l'arme, comment est-elle réglée? Le canon, comment est-il réglé pour en fonction d'un objectif en particulier? Qu'on tourne soit en dévers ou en site. Et quand on tourne ces manivelles-là, ça permet soit au canon de monter en site ou en dévers, c'est-à-dire en direction. Is there an aiming sight attached to the weapon? Est-ce qu'il y a une cible attachée au canon? Au canon. Au fait, il y a des coordonnées qui sont marquées, c'est-à-dire des graduations qui sont sur le canon. Et par rapport à soit la distance à laquelle vous devez envoyer votre obus, là c'est la charge. En site, c'est-à-dire où vous voulez que votre obus tombe, vous mettez ça sur les graduations, soit côté horizontal où vous voulez que votre obus aille, vous orientez le canon vers là-bas. How precise is this weapon? Quelle est la précision de cette arme pour ce qui est de toucher l'objectif? Est-ce que cette arme est fiable? Clairement, je dirais que l'arme n'est pas fiable, mais tout dépend de l'utilisateur. Quand l'utilisateur est chevronné, on a beaucoup de chances d'obtenir la cible. Mais entre griffes, je dirais aussi que lorsqu'on me dit comme ça qu'au 120, il faut faire des tirs groupés pour pouvoir peut-être détruire un pont, ça veut dire que la fiabilité n'est pas tout à fait exacte. C'est-à-dire qu'avec un seul obus, il n'est pas sûr d'avoir un pont. Soit vous pouvez tomber juste à côté, juste après, ou même juste au-dessus. Just to understand what you mean by group. Pour être certaine d'avoir bien compris. Is it the case then that a single mortar rifle? Pour ce, lorsque vous parlez de tir groupé, est-ce que cela signifie que un mortier est? Vous n'utilisez pas qu'un seul mortier à la fois. Quand je parle de tir groupé, à l'aide d'un seul mortier, on peut faire des tirs groupés. J'explique. Je fais partie le premier obus.
Quelques minutes après, je fais partie le second obus. Mais au cours de notre instruction, on nous a appris comme ça que il y a toujours un guetteur devant pour nous dire soit légèrement à droite, légèrement à gauche, ou un peu plus en avant, ou un peu plus en arrière. Mais à cette période, par exemple, où il y a eu la situation à Bobo, il n'était pas possible d'avoir un guetteur, puisque tu n'allais pas demander à un FDS d'aller se mettre en poste avancée pour orienter celui qui tire les obus. Donc, pour moi, il essayait comme ça. Peut-être que ça allait prendre, peut-être que ça allait pas prendre. Okay, and I think perhaps, Bien, peut-être ma question n'a-t-elle pas été bien comprise. Moi, je vous parlais plutôt d'une charge. Est-ce que, si j'ai bien compris, on n'utilise pas simplement une charge, mais vous procédez par tir groupé, n'est-ce pas? Les charges n'ont rien à voir avec les tirs groupés. Les charges, c'est ce qu'on met à la queue de l'obus pour pouvoir le propulser. Les tirs groupés, c'est lorsque, soit par rapport à un point défini, on décide de faire partir plusieurs obus à partir d'un seul canon, sinon d'un seul mortier. Yes, I understand. Oui, oui, je comprends cela, merci. Pour ce qui concerne les documents que vous avez remis au bureau du procureur, permettez-moi de vous demander de regarder le document CIVOTP 0028-0514-R01. Il s'agit de la version expurgée de ce document. Veuillez la diffuser en public, s'il vous plaît. Is this a photograph that you... Est-ce qu'il s'agit bien d'une photographie que vous avez remise au bureau du procureur lorsque vous avez été auditionné? Ça, c'est un mortier mis en batterie. And is this the type of mortar that was used by... Est-ce qu'il s'agit du type de mortier qui a été utilisé par le BAZA lors de la crise post-électorale ou est-ce qu'il s'agit d'un autre type de mortier? Beaucoup semblable à celui qu'on utilisait au BAZA. So is this a 120 mm mortar? Est-ce qu'il s'agit d'un mortier 120 mm? En ne connaissant pas le calibre de celui qui est là, mais il ressemble beaucoup au genre de mortier 120 mm. Where did you obtain the photo? Où est-ce que vous avez obtenu cette photographie? Où est-ce que vous l'avez obtenue, pardon? L'ordinateur, hein. À l'ordinateur, on cherchait le type de mortier, et puis bon, on m'a fait sortir ça. Comme ça ressemblait beaucoup au type de mortier que nous utilisons. When you say we were looking for mortars, is that... Question, lorsque vous dites nous cherchions des mortiers, est-ce que vous parlez de vous et de qui d'autre? La personne qui m'avait auditionné à cette période. Sinon, je ne suis pas venu avec une photo de mortier lui présenter. Au fait, j'ai parlé du mortier et puis la dame qui était venue m'auditionner voulait savoir plus. Alors je lui ai dit que s'il était possible de me faire sortir des types de mortiers à l'ordinateur, j'allais peut-être désigner un. Thank you. And... Merci. Et de quel type de munitions le BAZA disposait-il pour, aux fins d'utilisation
avec ce mortier 120 mm. 120 mm qu'on disposait, qu'on introduisait dans le tube de ce mortier-là. Je souhaiterais que l'on montre au témoin un autre document qui porte la référence CIV OTP 0028 0513 R01. Do you recognize this photograph? Est-ce que vous reconnaissez cette photographie? Oui, je reconnais cette photographie. Mais en majeure partie, les obus que nous on avait au bas étaient de couleur grise. Et celui-là, il est de couleur noire, mais c'est plus ou moins le même type de mortier. Pardon, d'obus. And can you tell us how you came? Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez obtenu cette photographie qui a été annexée à votre déclaration? Où est-ce que vous l'avez obtenue? La même dame avec qui j'étais en train de pour l'audition. Puisqu'elle avait un ordinateur, moi je n'avais pas de photo. Donc je lui ai dit si elle pouvait me faire sortir des types d'obus. À partir de là, j'allais désigner l'obus qui était utilisé chez nous. Et celui-là est un exemple d'obus. Mais celui qu'on avait chez nous était de couleur grise. Je souhaiterais vous montrer un autre document maintenant, confidentiel. Il s'agit du document CIVOTP 0028 0524. Maître Altit, juste une brève interrogation. En quoi cela est-il confidentiel? I have no idea. Le président, je n'en ai pas la moindre idée, mais je vais demander à Madame Pack. Well, it was attached. Madame Pack, ce document était annexé à la déclaration du témoin, mais je crois que tout compte fait. Non, non, sur la première page, il y a un paraphe, celui d'un représentant du bureau du procureur. Je ne voudrais pas que ce document soit diffusé. Le président, vous même pas le paraphe, Madame Pack. En tout cas, c'est la pratique du bureau du procureur. Mais après la première page, je pense que le reste du document peut être diffusé publiquement. L'on pourrait envisager de verser au système, dans le système, une version expurgée. Président R0. I have to thank my colleague, Mr. Madame Pack, je dois remercier mon contradicteur, Maître Altit, parce qu'il a anticipé. Effectivement, j'allais demander que soit diffusée la version expurgée. Le président, j'avoue que je ne comprends même pas pourquoi le paraphe ne doit pas être diffusé. Quoi qu'il en soit, veuillez diffuser la copie expurgée, s'il vous plaît. Do you recognize this document? Est-ce que vous reconnaissez ce document? Document? Mais moi également, je vais vous poser une question. Vous avez dit que mon nom est confidentiel, c'est ça? Le président, non, non, elle ne parlait pas de votre nom. No, I
don't understand what you mean. Le président, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. J'écris mon nom. Yes. Le président, oui, certes. Mais votre nom n'est pas confidentiel. En ce moment, pourquoi m'appeler monsieur le témoin? Because... Le président, parce que comme je vous l'ai expliqué au début de l'audience, c'est la pratique de cette cour, c'est comme ça que nous appelons tous les témoins. C'est simplement aux fins du compte-rendu. Mais moi, je crois bien que si on m'appelle monsieur le témoin, je crois bien qu'il y a un camouflage de nom là. Et si le nom, il est écrit ici, qu'il est diffusé dans le monde entier, même chez moi en Côte d'Ivoire, il est également diffusé. Certes, on me connaît par le visage, mais vous-même, vous avez dit qu'on ne dit pas le nom. Or, ici, sur le document, je vois bien inscrit mon nom. You're right. Le président, vous avez raison. Je ne comprends pas votre inquiétude, mais oui, certainement, nous vous appelons monsieur le témoin, parce que c'est la pratique que nous avons adoptée dans ce prétoire. Nous n'utilisons pas le nom des témoins, nous les appelons simplement monsieur ou madame le témoin. C'est la seule raison. Mais vous ne bénéficiez pas de mesures de protection pendant votre déposition. C'est d'ailleurs ce que j'ai indiqué en début d'audience. Si à un moment ou à un autre, vous souhaitez vous protéger ou protéger une réponse que vous souhaitez apporter, que vous ne voulez pas voir révélée en public, vous me faites signe et nous passerons à huis clos partiel. Or là, il ne s'agit pas de votre nom. Madame le procureur, poursuivez. Mr. President, could we... Madame Pack, Monsieur le Président, serait-il possible de remettre au témoin une copie papier? Est-ce qu'il serait possible d'afficher la version française de la transcription de cette pièce? Est-ce qu'il serait possible d'afficher les deux en vis-à-vis? La version française porte la référence CIVOTP 0053-0431. Il existe une traduction anglaise dont je demanderai le versement au dossier, mais dont je ne souhaite pas la diffusion. Il s'agit de la pièce CIVOTP 0046-0541. Si vous m'autorisez, j'aimerais que l'on remette au témoin la version papier de la transcription. Et la traduction sera mise à la disposition de la Chambre ainsi que des parties. En attendant que soit affichée à l'écran la transcription, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Quel est ce document? Et quand a-t-il été rédigé? Le document, il a été rédigé lorsque j'étais en stage de B1 artillerie. Sol, air, sol, sol. Written by you, was it? Rédigé par vous, n'est-ce pas? Par moi-même, puisque c'est mes écrits qui sont là. So what year, just to... Le président, en quelle année est-ce que vous pouvez nous le dire? Eh bien, 2005-2006, par là. Thank you. Le président, je vous remercie. Je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet, je voudrais juste vous poser quelques questions. Regardez la page que vous avez sous les yeux. Prenez la quatrième page. Il y a un titre, appareil de pointage. Et dans la version anglaise, c'est-à-dire à la page 0544, et la version française de la transcription, j'espère qu'elle sera affichée, il s'agit de la page 0435.
J'attends simplement que la page soit affichée à l'écran. Right, it's up now. Très bien, la page pertinente est affichée à l'écran maintenant. Have you got the heading aper- Est-ce que vous voyez le titre appareil de pointage, la rubrique appareil de pointage? Est-ce que vous voyez cela, monsieur le témoin? Can I ask you a question? Are you ready? Puis-je vous poser une question? Est-ce que vous êtes prêt? Le juge président, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi cela prend beaucoup de temps? En fait, on ne m'a pas encore posé des questions. Please go ahead. Yes. Le président, allez-y, allez-y, Madame Pack. Oui. Bien, bien. L'équipement qui est décrit. L'appareil de pointage. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? En fait, l'appareil de pointage, d'abord, il y a un appareil de visée. L'appareil de visée, lorsque, comment on appelle ça? Nous sommes au champ de tir, par exemple, on peut mettre un objectif devant nous. Et à partir de cet objectif-là, on règle l'appareil, sinon... sur le canon que nous devons tirer, sinon le mortier que nous devons tirer. Ça nous permet de viser le point indiqué. Et là, cet appareil de pointage, par exemple, quand je prends la zone d'Abobo, je ne sais pas comment l'utiliser, avec soit ces immeubles par-ci, par-là, ces maisons par-ci, par-là, ce n'est pas évident d'utiliser cet appareil de pointage. So let's just focus then on Abobo. Parlons maintenant d'Abobo précisément. Et nous y reviendrons de manière détaillée plus tard. Le lieu dont vous parlez, est-ce que c'est Abobo? Je parle, c'est Abobo, précisément le camp commando. And did you have, was it possible to use sight? Est-ce qu'il était possible d'utiliser un appareil de visée avec le mortier 120 sur ce lieu-là? And why was that? Et pourquoi pas? Que l'agglomération ne nous permettait pas. And just looking at the staying with the same page that you're on. Et dans cette transcription, il y a une autre rubrique intitulée « La masse » qui décrit le poids des différentes parties de l'arme qui est décrite. Les poids qui sont indiqués dans ce document, est-ce qu'ils s'appliquent au mortier de 120 mm qui se trouvait entre les mains de la BASA? Pendant la crise post-électorale, est-ce que vous le savez? Oui, c'est les caractéristiques de l'arme, c'est-à-dire le poids du canon, la plateforme, de l'obus, et puis des bipieds. And if we go please to the
If we go, please, just to two pages before. Prenez la deuxième page de ce document, sous mortier de 120 mm. Donc, regardez ce passage-là, dans la version traduite anglaise, il s'agit de la page 0543, et la version française de la transcription, il s'agit de la page 0433. Veuillez vous reporter à cette page, s'il vous plaît. Regardez les informations qui figurent sur cette page. Est-ce que ces informations s'appliquent au mortier de 120 que vous utilisez en 2010-2011? Le mortier de 120 que nous utilisons, comme je disais, c'est les caractéristiques du mortier. Où je vois ici écrit mortier de 120 mm russe, généralité, les caractéristiques techniques. Je souhaiterais que vous regardiez la page 0545 en anglais. En version française, il s'agit de la page 0436. Et dans le document original que vous avez sous les yeux, il s'agit de la page 0528. Donc pour vous, monsieur le témoin, il s'agit de la cinquième page où l'on peut lire en titre « Mortier de 120 mm ». Parce qu'au constat sur ma feuille ici, je vois mortier de 120 mm. C'est que ma feuille ici n'est pas numérotée. Si au moins c'était numéroté, je pourrais facilement me localiser. Donc quand je tourne, dès que je tourne ma page, je vois mortier de 120 mm. Là, je vois description des différentes parties. Appareil de pointage. J'aurais où m'orienter par rapport. Attends, ici je vois mortier de 120 mm, fermeture, ouverture. Je ne sais pas si c'est de ça que vous voulez parler. Peut-être Madame l'huissière pourrait aider, ou Madame Le Greffier pourrait aider le témoin à trouver la bonne page, puisqu'il s'agit de la page 0528. Je sais qu'il y a un petit numéro qui se termine par 0528, mais c'est écrit en tout petit en bas de la page. Peut-être que monsieur le témoin n'arrive pas à le lire et madame l'huissier va venir l'aider. Now, just looking at... Question. Mais alors, étudions cette page. Il est écrit le rôle du chef de pièce et j'avais des questions à vous poser à propos de l'équipe. Donc, un peu plus bas dans la page, il est écrit juste en français. Et si je peux donner le nom des membres de l'équipe. Chargeur, tireur. Can you tell us what they were each? Pouvez-vous nous donner exactement ou nous décrire ce que font chacune de ces personnes? Pas les munitions, les choses, les obus. Le chargeur, c'est celui qui prend l'obus et l'envoie vers le tube dans le but de l'introduire. Et puis, il y a le tireur, celui qui doit tirer sur la corde. Maintenant, le chef de pièce, c'est lui qui donne l'ordre de tirer.
And you, when you were chef... Alors, lorsque vous étiez chef de pièce, que pour servir un mortier de 120, vous aviez besoin de combien de personnes au cours de la crise ? Normalement, 4 à 5 personnes, Maxi. Bien. Et j'ai deux autres questions à vous poser. Si vous pouviez juste passer à la page suivante. Page suivante. Donc, pour ce qui est de la traduction en anglais, cela se termine par 0546, en français 0437. Donc, voici ce qui est écrit à cette page. And then it goes on to talk about someone called. Et ensuite, on parle d'une personne. You tell us what that relates to. Who... Pourriez-vous nous dire exactement qui est la personne dont on parle en disant la reconnaissance? Celui qui va sur le secteur où on doit peut-être envoyer les obus. Une reconnaissance, c'est sillonner tous les alentours avant même de faire exécuter les tirs. OK, we'll leave this document. Bon, nous allons laisser ce document de côté. Et on va parler un peu toujours de la même chose. À part le bazar, y avait-il d'autres unités du FDS qui avaient accès à un mortier de 120? Moving top. Bien, alors on passe à autre chose. Vous nous avez parlé des orgues de Staline, qui est une autre arme dont disposait le bazar. Briefly, pouvez-vous nous décrire l'effet de cette arme lorsqu'on l'utilise, le président? Mais est-ce qu'elle a été utilisée ou non au cours de la crise? Tout d'abord, première question. Donc, est-ce qu'on a utilisé les orgues de Staline au cours de la crise? Ils n'ont pas été utilisés au cours de la crise, mais ont été préparés pour être utilisés. L'orientation, puisqu'en ce moment, moi, j'étais déjà en prison. Lorsque les orientations avaient été faites, ceux comme ça qui m'ont dit après où se trouvaient même les ordres de Staline, ils ont été mis dans la fosse juste à côté du bazar. Il y a un fossé qui est là, où se trouve le centre d'épuration d'eau. Et ces ordres de Staline, selon ceux qui m'avaient renseigné, m'ont dit étaient orientés vers le 43e Bima et le Golf Hotel. Et je fus même moi-même, celui-même, après que les autorités, sinon le porte-parole des choses, comment on appelle, qui était au Gulf Hotel en ce moment, je ne me rappelle plus bien de son nom, après que j'ai insisté auprès du colonel Patrice, parce que ces ordres de Staline, il y avait une situation qui pouvait, d'un moment à l'autre, se poser. La situation, c'était quoi? L'orientation était faite. Tout était préparé avec les munitions à bord. Et avec le bombardement qu'il y a eu au niveau de la soute à munitions du bazar, tout le monde avait fui, y compris le chef de corps. C'est-à-dire qu'un individu quelconque pouvait venir, mettre une batterie, parce que quand on est arrivé là-bas, c'est moi-même qui ai déchargé ces ordres de Staline à l'aide d'un capitaine du nom de Opoku. Et lorsque nous sommes arrivés, il suffisait que quelqu'un mette une batterie. S'il savait l'utiliser, en fait, il pouvait faire partie des obus. Mais il fallait forcément désarmer cette arme.
Et la particularité des ordres de Staline, c'est que moi je n'apprécie pas là-dessus, c'est que quand l'obus tombe, il détruit sur un rayon d'un kilomètre. C'est-à-dire que le diamètre fait 2 kilomètres. Et imaginez un peu le Golf Hotel ayant des obus de Staline. J'imagine bien ce qui va se passer au Le Bima. Donc j'ai pris, avec l'accord du colonel Patrice, j'ai pris des éléments du bazar qui étaient avec nous là-bas et puis nous sommes allés désarmer cette arme-là. Et sur le terrain, on a trouvé le capitaine Opoku. Je ne sais pas bien ce qu'il cherchait là-bas en ce moment. Et il nous a aidés à désarmer cette arme-là. Sinon, ça n'a jamais été utilisé à ma connaissance pendant la crise post-électorale. And who told you that the... Question. Et qui vous a dit que cette arme était dirigée vers le 43e Bima au cours de la crise? Entre nous et... au fait, entre nous, les jeunes du Nord, sinon les gens venant du Nord. Et à majorité, lorsque je suis sorti de prison, après... quelques jours, il y a beaucoup de jeunes comme ça du Nord qui m'appelaient parce que j'avais encore conservé mon portable. Je l'ai eu tout en donnant quelque chose au régisseur. Donc, je m'étais évadé avec mon portable. Donc, il y avait possibilité de me joindre. Et ceux qui m'appelaient pour dire « Ah, nous, on ne se sent pas en sécurité à Akwedo, on veut rejoindre... le Golf Hotel. » Je leur disais de venir et puis je rendais compte au colonel Kwasi Patrice qui facilitait l'accès à ceux-là. Donc ceux-là, quand ils venaient, c'est ce qu'ils m'ont laissé entendre. Et moi-même, quand je suis parti, quand vous regardez la direction de quelque chose, vous pouvez plus ou moins savoir vers où c'est. C'est-à-dire, il y avait un orgue de Staline qui... était dirigé vers la zone de Port-Boué, c'est-à-dire vers le sud, et puis l'autre était un peu décliné. Et moi-même, particulièrement, je n'ai pas utilisé cette arme, je n'ai pas eu de formation sur cette arme. Donc, pour pouvoir même désarmer cette arme, il a fallu que je me réfère à d'autres personnes, telles que le capitaine Opoku, qui a bien voulu nous aider, parce que lui, il connaissait les risques qui était là. Et comme anti-ivoirien, il servait à quoi de tuer des gens avec des ordres de Staline. And which was the other quelle était l'autre cible? Vous nous avez parlé de deux cibles. Le troisième Bima, dont on m'a dit que les ordres de Staline étaient orientés vers là, et puis le Golf Hotel. And was this weapon situated with... Et cette arme était dans l'enceinte du camp de la Baza, du nouveau camp d'Akwédé, d'eau. Now I'd like to move to... Question bien. Maintenant, on va passer à quelque chose de complètement différent. On va parler des missions que vous avez exécutées au cours de la campagne électorale. Mais ça va être rapide. Premièrement, donc, au cours de la campagne présidentielle de 2010, où étiez-vous cantonné? En 2010, je servais comme ça sur le canon de 20 mm, où j'étais chef de pièce. Je me rappelle que nous sommes partis à Séguéla, où on a accompagné le président Gbagbo quand il devait faire un meeting, à Odiéné quand il devait faire un meeting, à... Bien sûr, on a pris l'axe de l'Est, mais je sais, je me rappelle plus très bien. On dirait que c'était entre Abangourou et Animlekro. On accompagnait le président là-bas quand il devait faire ses meetings. Et notre mission était d'appuyer l'infanterie. Mais Dieu merci, il n'y a pas eu d'incident. Parce que la campagne s'est passée de manière paisible. Moi, à mon avis, hein. Infini.
with votre rôle, quel était-il pour ce qui est du canon de 20 mm? Que j'avais l'entière responsabilité de l'engagement du canon de 20 mm. Voilà, lorsque le chef de détachement soit me dit que dans tel ou tel point, il y avait un affrontement et que c'était des hommes armés, parce qu'il y a affrontement et affrontement, il peut y avoir affrontement entre des gens sans armes et des gens armés. Et lorsque ce serait peut-être des gens armés, peut-être qu'ils voulaient s'en prendre au président Gbagbo, ma mission était d'appuyer l'infanterie. And who was the commander? Qui commandait ces missions sur Ségéla et Andanié? Nous quittons tous nos différents bataillons. C'est-à-dire, le chef de corps, d'abord, est le premier responsable lorsqu'il nous met à la disposition d'une tierce personne qui va nous commander. Mais celui même qui commandait ces différentes missions, lorsqu'on faisait ces missions dans les différentes localités, il y en avait plusieurs. Aujourd'hui, je ne me rappelle pas de leur nom. J'en ai fini. And you recall which... Vous souvenez-vous quelles unités vous ont accompagné lors de ces missions, lorsque vous accompagnez le président pendant la campagne? Que ce soit commençant par les paramilitaires, c'est-à-dire la police, les militaires, la gendarmerie et les militaires. Au niveau des militaires, il y avait tout corps confondu, c'est-à-dire le BCP, le bataillon blindé, le Baza, le premier bataillon. Et quand on arrivait soit dans la localité où il y avait un bataillon, le bataillon, on partait moins fort à ces bataillons-là. Mais nous, la particularité de nos missions avec le canon de 120, de 20 mm était d'appuyer l'infanterie. C'est-à-dire quand l'infanterie se retrouvait dans une situation quelconque où l'évolution était vraiment difficile, nous, on avait pour mission de venir décanter la situation dans le but de pouvoir faciliter un peu leur progression. Okay, now I want to ask you Bien. Et maintenant, nous allons parler de mission exécutée après les élections. Je commence par une première question. Avez-vous exécuté des missions incluant l'utilisation d'un bitube de 23? Oui, merci. Mission au niveau de la MACA. Parce qu'il était dit comme ça que, en fait, entre guillemets, hein, les rumeurs disaient comme ça que les hommes prisonniers à la MACA voulait s'évader. Et comme ça, j'avais été envoyé avec une pièce pour pouvoir sécuriser la MACA. Et cela n'a pas duré 48 heures. Après, on nous a demandé de rentrer. Mais là-bas, il n'y a pas eu de tir. Mais ce que j'avais remarqué, c'est qu'en cette même période, il avait été demandé comme ça à ceux qui habitaient à Bobo, via le porte-parole, je ne me rappelle pas parce qu'il y avait Yao Jules qui était porte-parole, après il y a eu un autre, bon, je ne sais pas lequel exactement avait demandé à la population d'Abobo de sortir d'Abobo. Parce que l'armée allait comme ça attaquer ce qu'on appelait le commando invisible. Et ce que j'avais déploré, c'était le comportement de mes frères FDS au niveau des civils. C'est-à-dire, ils n'étaient pas du tout courtois. Que ce soit les femmes ou les hommes, la courtoisie n'existait pas du tout en ce moment-là. J'ai même intervenu pour une femme qui avait ses enfants. Et puis, en partant,
J'avais un billet de 1000 francs dans la poche, je lui ai donné pour qu'elle parte. Mais il a fallu demander beaucoup pardon avant qu'on laisse passer cette femme-là. L'intention était quoi? C'était de soutirer de l'argent à ces hommes qui passaient. On est fini. OK, let's just... Merci. On va revenir à la mission et ensuite on verra ce qu'il en est des autres détails que vous nous avez donnés. Donc cette mission à la Maca, pour sécuriser la Maca, est-ce que vous pouvez nous donner la date de cette mission, si vous vous en souvenez? C'était juste après les élections. Et je me rappelle bien que c'était avant le 3, parce que à la date du 3, quand on a appris que les femmes ont été tuées à Bobo, dans l'après-midi, on m'a demandé d'effectuer une mission au camp commando. And I'll just, Question. Je vais donner lecture de ce que vous avez dit dans votre déclaration à propos de la mission à la Maca dont nous avons parlé. Donc CIVOTP 00280481 et c'est le paragraphe 98 qui m'intéresse. 98 page donc 0496. Pas besoin de l'afficher, c'est juste une date qui m'intéresse. Donc, dans ce paragraphe, je vais en donner lecture. En ce qui concerne cette mission, je cite. Au corps du mois de février 2011. Est-ce que cela rafraîchit un peu votre mémoire en ce qui concerne donc cette mission à Maca? Précisément, si je vous dis que je me rappelle, j'aurais menti parce que ça fait quand même un bon temps. 2011, okay. 2017, ce n'est pas la date d'à côté. Hein. Now, I want to... Bien. J'aimerais donc vous poser des questions à propos des détails que vous nous avez donnés. Vous avez parlé du fait suivant. Vous avez entendu dire qu'on disait à la population d'Abobo qu'il fallait qu'elle quitte Abobo. Est-ce que vous vous souvenez qui disait ça? Soit c'était le porte-parole qui était Yao Yao Jules ou un autre porte-parole. Mais je ne me rappelle pas exactement lequel. Okay. Mais cette information a été diffusée sur la chaîne nationale, c'est-à-dire la RTI, la radio-télévision ivoirienne. Ce n'est pas un truc purement militaire. Let me ask you, Donc, dans ce cas, parlons de la mission dont vous avez parlé. Ensuite, où on vous a demandé d'aller à Abobo. Vous nous avez dit que vous y avez été déployé. Tout d'abord, pourriez-vous nous dire quand vous avez été déployé à Abobo, précisément? En fait, je me rappelle de cette date parce que non loin de là, j'ai été mis en prison. Donc, vous voyez qu'il y a des souvenirs qui restent. C'était le jour où on parlait de la tuerie des femmes à Abobo. Et ce jour-là, j'ai été désigné pour effectuer une mission au camp commando d'Abobo. Et c'est là que nous sommes partis au camp commando d'Abobo.
Donc, vous parlez de femmes qui ont été tuées à Bobo. Now, how long... Et combien de temps avez-vous été déployé au camp commando? Quelle mission, la particularité, je ne sais pas si je fus une exception, hein. Mais normalement, quand les autres partaient là-bas, ils faisaient soit 24 heures, 48 heures. Mais moi, j'ai fait 5 jours à Bobo. C'est-à-dire du 3 au 7 mars. Thank you. And who gave... Merci. Qui vous a donné l'ordre d'exécuter cette mission? D'aller à Bobo. Yes. Au fait, du jour, mon nom était affiché dans l'après-midi. Parce que bizarrement, le matin, c'est là où on désigne les missions. Mais là, c'était dans l'après-midi que j'ai vu mon nom affiché. Quand je me suis renseigné, on dit non, que je devais partir à Bobo. Juste après, est-ce qu'on ait entendu que les femmes avaient été tuées à Bobo. Maintenant, la mission, c'est le colonel Dadi qui fixe les missions. C'est lui le responsable du bazar. Maintenant, celui qui fait les désignations, bizarrement, au départ, il était le responsable de l'instruction au bazar. Mais quand les événements ont commencé à aller un peu plus haut, c'est-à-dire quand le mercure a commencé à monter un peu plus, il s'est érigé lui-même en désignateur de personnes. C'était le capitaine Cabran. And what was his position? Et quel était son poste au sein du bazar? Je parle du capitaine Cabra. Depuis que je l'ai connu, il était le responsable de l'instruction au bazar. Mais de manière particulière, comme je vous dis, quand le mercure avait commencé à monter, il s'est érigé lui-même en désignateur. C'est-à-dire que c'est lui maintenant qui faisait les désignations. Sinon, au bazar, on a des adjudants de batterie. Et les adjudants de batterie classaient le service qui était donné à l'adjudant de bataillon qui, lui, maintenant, mettait ça au propre dans le but de nous faire prendre les services. Mais arrivé à un certain seuil, ça m'a beaucoup étonné que ce soit un capitaine maintenant qui prend cela. Normalement, l'adjudant de bataillon, il est le plus souvent adjudant, pardon, sergent-chef, adjudant, adjudant-chef, adjudant-chef-major. L'adjudant de batterie, c'est-à-dire la section où on est, l'adjudant de batterie peut-être soit sergent, sergent-chef. Bon, voire peut-être adjudant, mais c'est rare. Maintenant, quand un capitaine s'approprie les désignations, point d'interrogation, c'est pourquoi. On est fini. Well, what sort of questions? Quel type de question? Bon, pour moi, je ne vois pas un capitaine quand même s'approprier les désignations qui sont assignées plutôt aux adjudants, adjudants-chefs, sergents, sergents-chefs. Ce n'est pas son rôle là. Mais comme c'est lui qui désignait, et puis nous, on avait pour obligation d'exécuter les missions qu'on nous disait d'exécuter. C'était notre travail. Mais je veux dire par là qu'il n'avait pas sa place là, quoi. Quand même capitaine avec désignation de service. Si ce n'est ce moment-là, moi, j'ai jamais vu ça. And just going back to the women, you... Revenons-en aux femmes maintenant. Vous avez dit que vous aviez entendu que des femmes avaient été tuées à Abobo. Qu'avez-vous entendu exactement? Yes. And by who? Et de la bouche de qui, surtout? Entre nous, les gens du Nord, on communiquait beaucoup. Et entre nous,
On échangeait beaucoup. Moi, particulièrement, j'ai de la famille à Bobo. Et j'ai des amis aussi qui sont du Nord, qui ont de la famille à Bobo. Et chez nous, les nouvelles vont très vite, c'est-à-dire via le portable. On appelle un parent, par exemple, on a l'information comme ça, des rumeurs. On appelle maintenant un parent pour dire, ah, mais tiens, qu'est-ce qui s'est passé à Bobo? Ah, on vient de tuer des femmes à Bobo. En fait, c'est ainsi qu'on a appris l'information de la tuerie des femmes à Bobo. Et d'habitude, chez nous, les désignations des services sont faites les matins. Ce jour-là, de manière particulière, moi, ma désignation a été faite dans l'après-midi. C'est pourquoi. Je pose bien la question jusqu'aujourd'hui, parce que moi-même, je ne sais pas. Sinon, depuis le matin, à partir de 7h30, lorsque la garde est lue, en même temps, les désignations sont faites. Mais lorsqu'on apprend que des femmes sont tuées à Bobo, et quelques heures après, on nous apprend que on doit effectuer une mission sur le camp commando, une relève doit être faite, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. On est fini. And did you... À quelle heure êtes-vous parti pour le camp commando? Je veux dire, pas l'heure précise, mais quel moment de la journée? And when you talk of... Lorsque vous parlez d'amis qui vous ont parlé de ce qui s'est passé, vous voulez dire des éléments au sein du bazar également? Sein du bazar, mais précisément, on était regroupés soit par ethnie, soit par convenance. Je vais dire comme ça que nous et nous, par exemple, les Dioula, les Sénoufo, les Yacouba, on échangeait facilement. Mais lorsque vous dites, même, je vais vous dire quelque chose, une particularité. Quand trois Dioula ou quand deux Dioula, un Yacouba s'arrête en train de causer, immédiatement un Bété vient s'arrêter à côté, chercher à savoir ce qu'il dit. Le président, excusez-moi un instant, monsieur le témoin, je voudrais vous poser une question précise. Est-ce que vous avez des connaissances directes de la tuerie des femmes à Bobo? À vrai dire, si je dis que j'ai une connaissance des personnes qui ont effectué les tueries à Bobo, j'aurais menti, parce que je n'y étais pas. Mais selon les rumeurs, on a appris que c'est des engins blindés qui ont effectué ces tirs-là. Et les deux engins blindés que j'ai trouvés au camp commando étaient un engin qui était le VAB des gendarmes. Et un engin qui était un engin de la GR. C'était les deux engins blindés qui étaient là-bas. And this is not direct. Le président, mais il ne s'agit pas de connaissances directes, mais de rumeurs ou d'ouï-dire, c'est cela que vous nous dites? Je suis en train de dire. Ce n'est pas une connaissance directe. Si c'était une connaissance directe, c'est que j'étais présent au moment des actes. Mais c'est ce qui se disait, c'est-à-dire les rumeurs qui se disaient là. Et au niveau du camp commando d'Abobo, il y avait tout de même des jeunes du Nord. Et ces jeunes du Nord-là, quand on échangeait entre nous, disaient comme ça que c'est les engins blindés qui ont tué ces femmes-là. Sinon, moi-même, j'y étais pas. Je suis même parti après la tuerie des femmes. Now, and can you tell us... Le président, pouvez-vous nous donner un nom ou deux de personnes qui vous ont parlé de cet événement, des personnes avec qui vous avez parlé, qui vous ont appris ce que vous nous dites maintenant? De vous dire, je ne serai pas en mesure de vous donner le nom de quelqu'un. Parce que je ne les ai pas en mémoire, mais il y a une famille juste derrière la clôture du camp commando. J'ai approché cette famille-là parce que dès le départ, quand on est arrivé, on a sympathisé
Et voyant qu'on nous amenait régulièrement du pain et de la sardine à manger, imaginez-vous pour quelqu'un qui reste à un poste pendant 5 jours en train de manger du pain et de la sardine, quel serait son sort? Donc, j'avais un peu d'argent sur moi. Je payais à manger auprès de cette famille qui vendait de la nourriture en bordure de route. Et je partageais ça avec mes éléments, c'est-à-dire les éléments qui étaient sous ma responsabilité. Et j'ai même posé la question à une dame qui est de cette famille-là, dont je ne me rappelle plus aussi le nom, qui a confirmé qu'effectivement, il y avait eu des femmes tuées. Mais elle a simplement dit que c'était par des militaires. Elle n'a pas précisé si c'était des engins blindés ou si c'était des hommes à pied. Là, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Thank you. Le président, je vous remercie, monsieur le témoin. Madame Pack, merci, monsieur le président. Vous avez parlé de l'état de service, la désignation de service. Est-ce que c'était affiché quelque part au bazar pour que chacun puisse voir à quel endroit il était affecté pour la journée? On avait un tableau de service où sont affichés tous les services. Mais au préalable, les services se lisaient au rassemblement de 7h30. C'est-à-dire juste après la montée des couleurs, on nous lit les services pour que chacun connaisse sa position exacte. À partir de là, tu vas vaquer à tes occupations, c'est-à-dire au service pour lequel tu as été désigné. Mais quand je prends comme ça la désignation du camp commando, c'est une désignation qui s'est faite dans l'après-midi. Il y avait déjà des éléments là-bas. Maintenant, pourquoi moi je vais dans l'après-midi? Je vais chercher quoi là-bas dans l'après-midi? Les éléments qui sont là-bas, ils ont les mêmes qualifications que moi. Ils savent utiliser le 120 comme moi. Mais pourquoi c'est moi qui suis désigné pour ça? Moi, jusque-là, je me pose la question. OK. Une question. Vous êtes allé à camp commando avec quel objectif, avec quel rôle précis? D'abord, avant d'aller au camp commando, le colonel Dadi m'avait déjà au préalable dit que je partais pour, comment on appelle ça, tirer des 120 au niveau de du carrefour mairie d'Abobo et Ndotré. Et plus tard, quand on est arrivé, il y a eu une réunion avec le commandant Niamke, je crois bien qu'il doit être colonel aujourd'hui, qui, au cours de la réunion, a dit, compte tenu de la présence des choses, comment on appelle ça, de la présence des ennemis au niveau du carrefour mairie Abobo et Ndotré, il fallait que je mette ma pièce en batterie pour tirer des obus dans cette direction-là. Question. Parlons de Dadi qui vous a dit d'aller là-bas et de tirer le 120 autour de la mairie, au rond-point de la mairie. À quel moment Dadi vous a dit cela? C'était avant mon départ. Did you respond to this instruction? Question. Avez-vous répondu à cette instruction? Répondez à cette instruction, peut-être que je ne serai pas en train de parler avec vous. Il fallait exécuter. Ça dit, il fallait partir. And so far as question. En ce qui concerne votre position à camp commando, pour pouvoir tirer les 120, est-ce que vous étiez vous-même chef de pièce pour ce mortier de 120? Est-ce que c'était cela votre affectation? Le chef de pièce s'appelait Guy Dominique. Moi, j'étais le chef de détachement. C'est-à-dire que je devais donner les instructions à Guy Dominique pour pouvoir effectuer les tirs. Mais je devais l'assister au cours de son travail. Now, Guy Dominique, he was... Question. Guy Dominique,
Vous dites qu'il était chef de pièce. C'était chef de pièce du 120 mm? Oui, il était chef de pièce de 120 mm. Question. Y avait-il d'autres armes du Baza au camp commando? Commando, il y avait les mortiers de 120 et les 12-7. Bon, je ne me rappelle pas trop bien si les canons de 20 y étaient, mais je ne pense pas. So, the 120... Question. Donc, le mortier de 120, il s'y trouvait déjà avant que vous n'arriviez au camp commando? Est-ce qu'ils étaient situés là-bas? Qu'on voyait les mortiers de 120, mais c'est moi qui les ai mis en batterie. C'est-à-dire, puisque j'ai reçu l'ordre de tirer les obus de 120, si jamais depuis le départ je disais non, je n'exécute pas, je connais ma position. Donc, il fallait trouver les voies et moyens. Donc, je devais assister Guy Dominique et ensemble, on mettait le bâton en batterie, le mortier de 120. C'est ce qui a été fait. And as head of... Question. Comme chef de détachement, vous dites que vous aviez également des 12-7 à camp commando? Est-ce qu'il y avait également un chef de pièce pour les 12-7? Des pièces, mais je ne me rappelle plus bien qui c'était. And was he also subordinate to you? Est-ce qu'il vous était subordonné à camp commando? Au camp commando, vous savez, chaque chef de détachement est subordonné du grand chef, qui était le commandant Nyamke de l'époque. Voilà. Et après lui, je ne dépendais pas d'un autre chef, puisque je commandais tout ce qui était matériel du bazar sur ce site-là, ce jour-là. Sinon, ces jours-là. Now, commander... Question. Le commandant Nyamke, dont vous nous avez parlé, pouvez-vous nous dire... Quel était son titre au camp? Vous avez dit que c'était le grand chef. Quel était son poste exact? En ce moment, il avait été désigné comme le commandant du camp commando à cette période-là. C'est-à-dire, mais la particularité, c'est qu'il y avait des relèves entre eux. Mais je ne sais pas bien comment se faisaient les relèves entre eux, mais je sais qu'après quelques jours, il y a un autre qui partait, il y a un autre qui venait. C'est comme ça que ça se passait. And was he a member of the army? Question. Est-ce qu'il était membre de l'armée, Nyamke? C'est évident qu'il soit membre de l'armée. Il était militaire. Were there other... Question. Y avait-il d'autres détachements autres que le vôtre à camp commando? Beaucoup de détachements étaient là-bas. Je me rappelle qu'il y avait le 3e bataillon qui avait été délocalisé, qui se trouvait là-bas. Il y avait des éléments du BCP, du 1er bataillon. Seulement, ce que je n'avais pas vu, c'était les blindés, que je ne voyais pas là-bas. Parce que les blindés ont des engins particuliers, voilà. Et il y avait la gendarmerie, précisément les gens du GEB et quelques gendarmes à pied. Il y avait aussi la GR, c'est-à-dire la garde républicaine, qui s'y trouvait avec un engin, c'est-à-dire un char. Et la particularité, c'est que les chars ou même les VAB n'avaient pas des munitions plus gros que les 20 mm, parce que si je me rappelle bien, on dirait même que les VAB ont des munitions de 20 mm. Maintenant, les chars pouvaient porter des choses qu'on appelle des armes de soit 12-7 ou même les FM.
By VAB, are you talking? Question. Quand vous parlez de VAB, vous voulez dire des véhicules blindés. And just to be clear, when you left for camp. Et pour être parfaitement clair, lorsque vous êtes parti au camp commando, est-ce que vous aviez avec vous des équipes pour le mortier de 120 mm ainsi que les armes 12-7 dont vous nous avez parlé? Au fait, de manière spécifique, l'équipe des 12-7 n'a rien à voir avec l'équipe des mortiers. Chacun faisait son boulot, puisque chacun avait ses chefs de pièce. Moi, j'étais le chef de détachement, c'est-à-dire le responsable de tous ceux qui étaient de l'artillerie dans cette zone à cette période bien précise. So just to understand, you were head of all the BASA. Question. Donc, vous étiez responsable de tout le personnel du BASA qui utilisait de l'artillerie au camp commando, c'est cela? And just to clarify, how many? Pour clarifier, vous aviez combien de 120 mm au camp commando lorsque vous êtes arrivé? Vu deux pièces de 120 mm. Et lorsque j'ai reçu l'ordre comme ça de tirer sur le d'autré et le carrefour mairie. Donc, je devais mettre en batterie ces deux pièces de 120 mm. C'est-à-dire un orienté vers d'autré, le second orienté vers le carrefour mairie. Did you... Question. Est-ce que vous avez vous-même installé les armes et à l'endroit où ils étaient orientés vers ces deux endroits dont vous venez de nous parler, le carrefour de la mairie et l'autre cible? Affirmatif. Chez nous, quand on dit on a mis une arme en batterie, c'est qu'on l'a positionnée dans l'endroit où on doit tirer. Now, I want to just... Je voudrais prendre un peu de recul et regarder maintenant une carte. Est-ce que je peux demander à la greffière d'audience de bien vouloir diffuser le CIVOTP 00920410? C'est la carte agréée d'Abidjan. Et j'aimerais, s'il vous plaît, que l'on voit de plus près... la partie qui correspond à l'image numéro 1 que nous avons remise à la greffière d'audience. We need to... Nous devons... nous déplacer pas mal sur la droite et vers le haut, s'il vous plaît. Right up a bit more, please. Encore un peu plus vers le haut, s'il vous plaît. Encore un peu plus. Et puis, il faudrait dézoomer. Thank you. Now, je vous remercie. Est-ce que vous voyez la carte? Si ce n'est pas suffisamment lisible, je vous remettrai un exemple à papier qui sera peut-être plus commode. On peut le mettre au procès-verbal juste pour que l'on sache ce que l'on a montré au témoin. C'est une prise de vue qui...
qui provient du logiciel qui a été utilisé pour mettre au point la carte agréée. C'est un tout petit peu différent de ce que nous avons à l'écran, puisque le niveau d'agrandissement est un petit peu différent. Si j'ai bien compris, la carte vient d'Internet et il y a eu un petit ajustement, mais enfin bon. Le but est de permettre aux témoins de se situer et de regarder cette carte agréée et ensuite de faire quelques annotations. Donc, regardez la carte, s'il vous plaît, notamment la version papier que vous avez sous les yeux. Alors, il faudrait inclure à l'écran la route jaune en haut, s'il vous plaît. Je peux peut-être aussi remettre un exemplaire de cette copie papier à mes confrères de la Défense qui n'ont pas encore vu, au cas où il y a une objection. Oh, I understand they have copies. Ah, on me fait savoir qu'ils ont déjà un exemplaire, le président. Oui, je vois également que tout va bien. Madame Pack, est-ce que vous voyez l'emplacement du camp commando sur cette carte? Je sais que c'est très petit. On peut peut-être l'agrandir. C'est le carré un peu rose, rouge. C'est cela, le camp commando. Est-ce que ça vous est familier en regardant la carte? Well, I just want to... Madame Pack, je voulais vous poser une question sur plusieurs lieux. Nous avons parlé du camp commando et vous avez aussi parlé du carrefour de la mairie. Et je voudrais vous demander d'annoter le carrefour de la mairie sur cette carte, ainsi que les deux routes que vous avez empruntées pour aller de l'endroit où vous étiez pour aller au camp commando. Donc, le camp commando correspond à ce carré rouge. Et si cela vous est suffisamment familier, pouvez-vous nous indiquer, nous annoter, ou plutôt marquer à l'aide d'un crayon, vous pourriez écrire un cercle, pouvez-vous indiquer le carrefour de la mairie, à condition que vous puissiez discerner ce lieu sur la carte. La greffière d'audience, je proposerai que le témoin annote plutôt à l'écran. Madame Pack, oui, en effet, j'allais le faire. Si vous retrouvez le carrefour de la mairie, pourriez-vous l'encercler, s'il vous plaît, à l'aide du stylet qu'on vous a remis? Pouvez-vous encercler le carrefour de la mairie avec votre stylet et l'indiquer de la lettre A, s'il vous plaît? So if you if the witness can just be helped. Question, est-ce qu'on peut aider le témoin à indiquer à l'écran le carrefour de la mairie? OK, so you can... Question. Bon, vous avez localisé le camp commando. Si vous descendez, on tombe sur un rond-point. OK, and... Oui, le rond-point d'Abobo. Et ensuite, pouvez-vous indiquer le carrefour de la mairie? Pourriez-vous indiquer cela avec la lettre A, s'il vous plaît? Just next to the point. Thank you. And this is the Carrefour de la Mairie. Question. Il s'agit bien du Carrefour de la Mairie, c'est cela? Carrefour de la Mairie appelé communément Abobo Gare.
Okay, and just remind us, where was the other location that... Question. Quel est l'autre lieu où vous deviez tirer le 120 mm, à part le carrefour de la mairie? Il y avait un autre endroit. Okay, can you... Question. D'accord. Il s'agit du carrefour d'Autré ou... Is it where the yellow road is on the top left? If you... Question. Est-ce qu'il s'agit de l'endroit où il y a la route jaune en haut à gauche? Le président, écoutez, s'il le voit, il n'a qu'à la noter. La route jaune, la route jaune, est-ce que ça ne marque pas le pont? Parce que là, il y a un pont qui est situé entre la zone, je peux dire, est et la zone nord d'Abobo. Okay, can we just take a screenshot of this? Question. On va peut-être faire une capture d'écran de ce que l'on a déjà noté et puis... agrandir la partie nord-est ou nord-ouest. And now, could we just please zoom in? Très bien. Maintenant, il faudrait remonter un peu plus vers le nord, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce qu'on peut agrandir la carte de manière à toujours voir le camp commando? Sur la carte qui est là, je ne vois pas marqué une autre, donc ça ne serait pas facile. Okay, we'll leave it. Question. Très bien, on va s'en tenir là. Perhaps we can just zoom in a bit more, a bit close. Question. On pourrait peut-être agrandir encore un petit peu cette zone pour voir un peu mieux la route T170, toute la route. Alors, à gauche, ce croisement, est-ce que c'est cela, le carrefour d'Autré? Le croisement qui est là, je ne peux pas prendre le risque de dire que c'est forcément le carrefour d'Autré, parce que je sais que au niveau de ce carrefour d'Autré, il y a un chemin de fer qui passe sous un pont. Ça, c'est ce que je peux dire avec certitude. Mais là, je vois une bande jaune qui mène vers un autre axe, je ne sais pas si c'est le pont, où ils ont écrit T170. If you don't feel comfortable... Question. Si vous n'êtes pas à l'aise pour annoter le carrefour d'Autré sur cette carte, ce n'est pas grave, on peut passer à autre chose. Il ne faudrait pas que je note ce qui est faux. Just, we'll leave it there, Mr. Witt. Question. Monsieur le témoin, on va s'en tenir là si vous n'êtes pas certain. Et je voudrais vous poser une petite question avant la pause déjeuner. Pouvez-vous nous dire à peu près quelle est la distance à vol d'oiseau entre... le camp commando et le carrefour de la mairie à Abobo. Je m'étonnerais bien que ça atteigne un kilomètre. À vol d'oiseau. Ça m'étonnerait que ça atteigne un kilomètre. We'll leave it there. Question.
Eh bien, Monsieur le Président, si le moment est propice, nous nous en tiendrons là pour l'instant. Le Président, oui, en effet, nous allons suspendre pour la pause déjeuner. Il vous reste un quart de 20 minutes pour arriver à la durée de limite qui est la durée prévue qui est de 3 heures. Nous allons donc suspendre pour le déjeuner et reprendre à 14h30. Merci. L'audience est suspendue.